Salam les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité. Ouais, une vidéo. Actualité et pas actualité. Parce que c'est un sujet. Une touriste française a été tuée par une meute de chiens. Elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Et nous avons une pensée pour cette dame et pour sa famille. Parce que c'est toujours des tristes nouvelles. Vous avez été très 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 nombreux à réagir à ça. Ouais. Parce que vous connaissez notre amour pour les chiens et nos rencontres avec eux. Et j'ai beaucoup aimé une dame qui les a appelés les compagnons d'escale. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vrai, c'est des petits compagnons qu'on trouve quand on se pose. Et vous avez été nombreux à réagir, à nous dire attention, soyez prudents, et à nous poser aussi des questions. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle sera consacrée à ce sujet. Il est content de nous voir, le gros. Oh là là, oui, moi je t'avais vu. Alors, on commence par quoi? Alors déjà, moi, je trouve important, parce que ça va être plein de sujets, mais d'aborder la différence culturelle. Des chiens. Voilà, de nos animaux, de nos différentes cultures face au comportement qu'on a envers les animaux. Les femmes d'abord. Alors en France, parce que je vais parler pour la France, parce que je connais pas les autres pays d'Europe. Ouais. D'ailleurs, je voudrais rajouter que toujours dans ce genre de vidéo, on ne fait pas de généralité. Ouais. On parle de l'endroit où on est parce que selon notre expérience, notre vécu, notre expérience, parce qu'on nous dit toujours oui, mais ça existe dans d'autres pays du monde. Certes, ça on le nie pas, mais nous on parle de ce qu'on connaît et de là où on est. Moi je suis marocain, Valou est française, on va parler du Maroc et France. Alors les autres pays, on ne connaît pas, on ne parle pas. Si un jour on voyage, Inch'Allah, on parlera des sujets qui nous convient. Vas-y. Alors en France, de tout petit, on peut dire que dans chaque famille, on a des animaux. Mm-hmm. Chien-chat, aujourd'hui on va parler chien-chat. Les animaux, je pourrais dire peut-être malheureusement, je ne sais pas, on a tendance plutôt à les acheter chiots, à les acheter que d'aller dans une SPA ou dans un organisme pour acheter des animaux qui auraient besoin d'être adoptés. On met très cher dans l'achat d'un chiot. Selon les races, ça peut dépenser plus de 1000 euros, 1500. Tu vois, c'est quand même un budget conséquent. On leur consacre un budget énorme, alimentaire. Si tu voyais les rayons dans les supermarchés, des rayons alimentation, colliers, vêtements, gamelles, c'est un grand budget pour les Français. Et on leur accorde une place qui est des fois même, on va plus dire, plus grande que la place des enfants. Je me permets de le dire. C'est ça, c'est exactement ça. Dans certaines familles ou dans certains couples, ils vont prendre une place. On va parler à un chien de papa et maman ou on va, voilà, ça, il a une place vraiment. C'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. Ouais. Au Maroc. Bah, au Maroc déjà, c'est un peu compliqué à expliquer tout ça. On ne peut pas généraliser tous les Marocains, on ne peut pas généraliser tous les animaux parce que déjà, par exemple, les chats sont plus acceptés au Maroc. Dans les familles, ils sont plus acceptés. Ils sont moins... moins mal vus. C'est ça. Les chiens, il y a des façons d'adoption. On parle de catégorie populaire déjà. Ma catégorie, parce que moi je viens du catégorie populaire, du quartier populaire. Alors tout ce que j'ai vu, les chiens, il y a soit
les bagarreurs, ce qu'on appelle nous les clochards, qui se servent des chiens pour les bagarres. Les chiens, c'est comme un arme. C'est si un arme, c'est pas un ami. Un chien de défense. Et même j'avais des connaissances qu'il fait jamais sortir son chien pour qu'il voit jamais les êtres humains, pour qu'il devienne ce qu'on dit un chien sauvage. Pour quand il voit un être humain, quand il y a une bagarre, il mord tout le monde. C'est un souhait quoi, ils sont élevés comme ça. Ça, c'est pas un ami, c'est un arme. La deuxième chose, c'est dans les campagnes, on a les chiens Beldi qui font la garde de la maison. C'est des chiens de garde qui sont à l'entrée de la maison. Il y a 4-3 meutes. Moi, je te parle de mes expériences, de ce que je vois dans les campagnes. Dans les campagnes, tu n'as aucune maison, aucune ferme où il n'y a pas de chiens Beldi. Alors, moi, pour ce que j'ai vu, il y a aussi ce qu'on appelle dans les campagnes, malheureusement, moi, je dis le chien terrasse. Le chien terrasse, il n'y a pas que dans les campagnes. Je veux y arriver à ça. Le chien terrasse, il y est partout. Il y est dans les villas, les campagnes, mais moi je te parle de la catégorie populaire. Parce que catégorie populaire, elle ne va pas acheter un berger allemand et les mettre en terrasse. Elle n'a pas les moyens. C'est des Beldi. Et il y a là l'autre catégorie qui est comme vous, qui est la catégorie moyenne à la catégorie riche. Ils ont des bulldogs, des caniches, même des bergers allemands, des golden retrievers. Ils dépensent beaucoup et tout. Alors, c'est ça. Donc, la classification. Pour un animal de compagnie. De compagnie. Comme vous, exactement comme vous. Majoritairement, on ne vous apprend pas. On arrive à autre chose. C'est là où on arrive. À la majorité du peuple, à la majorité du Marocain, on a peur des chiens. C'est parce qu'il y a des gens qui se servent des chiens pour faire peur, pour garder comme un arme. Parce que la catégorie populaire, c'est la majoritaire du Maroc. C'est la majoritaire. C'est pas la minorité du Maroc, oui, oui. C'est la majorité. On apprend toujours que le chien, il fait mal. Parce qu'on voit dans les bagarres, elle prend un mollet aussi pour faire les braquages, aussi pour faire des vols, un truc comme ça. Donc quand t'es petit, on t'apprend à en avoir peur. À éviter les chiens. À éviter les chiens. À faire le demi-tour. Ma soeur, quand elle sort de l'école, qui a maintenant 10 ans, elle voit un chien, elle fait demi-tour de l'autre côté, elle passe par une autre ruelle, même s'il ajoute 15 minutes de route pour arriver à la maison. Et même si elle ne se sent pas menacée, dans sa tête, c'est comme ça. C'est toujours une menace dans sa tête, même un caniche. C'est toujours oui, un menace. C'est pas oui. La grandeur qui fait. Non, mais je te dis, mais même petit, pour ce que ça donne, l'image que ça donne, parce que toujours le petit fait pas mal. Des fois, le petit, c'est qui fait mal. Mais dans la tête, même un caniche, il a peur. Tu comprends? Par contre, elle aime beaucoup les chats. Et toi, t'as vu comment elle aimait un chat, ils ont amené un chat de la rue. Oui, oui, le chat ici, c'est complètement différent. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'éducation qui nous fait comprendre les gestes de chien, quand il faut éviter à se rapprocher d'un chien. Quand il veut jouer le chien, comment il faut jouer avec les chiens, ça on ne l'a pas. On ne nous apprend pas. Alors après cette évocation de la différence culturelle qui a son importance, on revient vraiment au cœur de la vidéo, au sujet principal. Au cœur de l'actualité, oui. Qui est au cœur de l'actualité, c'est l'arrache au Maroc, qui est un grand problème. Oui. Mais avant de parler des problèmes de l'arrache au Maroc, il faut déjà savoir c'est quoi l'arrache. Moi, je voudrais rajouter aussi que ce n'est pas une vidéo pour faire peur. Mais au contraire, comme on dit à chaque fois, quand on est averti, on a plus de prudence et on sait... Ouais. Comme on dit en arabe, la protection est mieux que le soin. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout pour faire peur, mais pour se protéger, pour rassurer, savoir voilà, comment il faut réagir et tout. La rage est une maladie contagieuse et mortelle. Elle est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères, y compris à celui des humains. Ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure ou d'une griffure. La rage, elle peut être transmise par un chien, oui. Par un chat, mais aussi par les chauves-souris. Exactement. Mais dans la règle générale, nous, là, on va parler du chien surtout, oui. Puisque c'est l'animal auquel on est le plus confronté. Donc, savoir reconnaître comment un chien est enragé. La phase 1, c'est l'inflammation au site d'entrée du virus, fièvre, changement d'humeur, de comportement, pupilles dilatées et voix modifiées. La phase 2, c'est l'agressivité, problème de coordination, désorientation,
crise convulsive, forte salivation, sensibilité à la lumière. Le chien fugue, mord tout être vivant croisant son chemin et avale des objets. La phase numéro 3, des mouvements confus, paralysie progressive, la mort survient en 4 à 5 jours. Là on sait c'est quoi un chien enragé, comment on peut savoir un chien enragé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si je me fais mordre par un chien enragé? Alors, il faut soigner la plaie à l'eau savonneuse, bien savonner, désinfecter sa plaie, bien sûr la protéger, et se rendre le plus rapidement possible dans un centre de vaccination où tu seras suivi. On peut te donner un traitement antibiotique ou te faire aussi une vaccination antirabique pour, et si possible, essayer de dire où est l'animal et de pour essayer de retrouver l'animal. Pour faire plus serré, plus résumé, aller aux urgences. Ouais. Et dire que je me suis fait mordu par un mais chien. Mais quand même, c'est vrai que c'est important de désinfecter la mais plaie. Mais pour faire plus truc, c'est aux urgences. C'est un truc urgent. C'est ça. Il faut, ah oui, il ne faut pas dire il faut pas traîner. J'attends demain ou après-demain. Non. Exactement. Mais si on se fait mordre, au cas où on est loin des urgences, au cas où on n'est pas parti aux urgences, on a fait le feignant, comment on peut savoir qu'on a eu le virus de... Les signes de l'enragement, qu'on est des êtres humains enragés. L'humain infecté par le virus de la rage présente d'abord des signes et des symptômes généraux tels que la fièvre, des frissons, une sensation de malaise comme au début d'un rhume, de la fatigue, de l'insomnie, une perte d'appétit, des maux de tête et de l'anxiété. Oui, ça c'est la rage au niveau général, mais nous précisément le sujet qu'on parle, c'est la rage au Maroc. C'est les chiens enragés au Maroc. Mais avant de parler des chiens enragés, il faut évoquer que le Maroc, il y a beaucoup de chiens errants. Oui. Énormément. Apparemment, selon des chiffres officiels, il serait environ 2 millions de chiens errants. C'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est compté. Alors, vous pouvez imaginer qu'il y aura plus. Et pareil, selon des sources officielles, il y aurait environ 400 cas de rage déclarés au Maroc chaque année. Et surtout, les cas de rage, ils sont souvent, selon ce que j'entends parler, souvent au désert, dans les endroits isolés, dans les endroits très secs. Parce que dans la côte atlantique, on n'a pas entendu de chiens enragés, on n'a jamais vu. On n'en a pas. Mais c'est souvent les endroits chauds, quoi. Les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de nourriture, ou les endroits chauds. Même si la rage, ça vient avec le virus. Ça n'a rien à voir avec la famine ou le manque d'eau ou la sécheresse. Mais souvent, quand on a entendu la rage, on l'entend dans les endroits isolés. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette dame qui était dans le sud. Et rappelle-toi, pour le voyageur qu'on avait croisé, c'était le même coin, c'était l'Argoub, c'est à quelques centaines de kilomètres de Dakhla, sur la route de Guergaret, la route des frontières mauritaniennes. Ouais. C'est là-bas, et le mec est arrivé il y a un an, quoi. Et là, ça arrive au même coin. Oui, c'est exactement. C'est un endroit isolé. Et rappelle-toi, c'est une expression qu'on a employée quand on est passé à un poste militaire de garde, qu'on a vu des chiens et on a dit « Mon Dieu, ils sont enragés ». C'est vraiment l'expression qu'on a employée. Vraiment... Ils avaient vraiment, vous n'avez pas envie de descendre de la voiture. On a vraiment employé ce terme-là, les chiens ici sont enragés. Mais il ne faut pas faire peur, nous, durant notre voyage, on a fait des câlins à des milliers de chiens. Jamais de problème, on n'était jamais agressé. Seule fois que c'était un peu dur, c'était avec les chiens au désert d'Agafay, avec les grands. C'est pas pareil là, c'est les bergers anatoles. Ben, c'est des chiens à la taille humaine qui sont à la taille d'un ours. C'est des comportements, ouais, des caractères. C'est à la taille d'un ours. Et ils voulaient que je reste debout, ils ne voulaient pas que je m'assoie, mais pas d'attaque ni rien. Alors, on peut, si tu veux, puisqu'on en est à ce sujet, dire par rapport à notre expérience, les trois lieux
où on peut trouver les chiens, c'est-à-dire qu'il y aura des chiens errants avec des comportements, nous, qu'on voit ouais. différents dans les villes, les comportements des chiens différents avec, sur les bords de l'Atlantique ouais. et dans le désert, comme on vient de l'évoquer. C'est un autre comportement. Ouais. C'est chaque fois des comportements différents. Ça n'a rien à voir. Dans les villes, on a pu... Et ça, on vous le filme. Mais ça a une liaison avec le comportement de l'être humain. Parce que dans les villes, il y avait l'abattage, il y a l'empoisonnement, les chiens, ils se sont en danger. Et même vis-à-vis du comportement humain, oui. Tu en as peur. En fait, c'est la peur du chien et la peur de... Oui, c'est réciproque. C'est exactement ça. Dans l'Atlantique, quand ils sont agressifs dans l'Atlantique, c'est parce que c'est leur territoire. Elles sont face à la plage, c'est leur territoire. Elles deviennent un peu agressives. Mais ils côtoient du monde. Oui. Sur l'Atlantique, ils côtoient du monde. Il y a beaucoup, en plus... d'Européens, qui, ouais. parce qu'on le voit à Imswan, où les chiens ont des contacts avec beaucoup d'Européens, ils sont plus sociables. Ouais. Et comme tu disais, c'est vrai, c'est plus après un comportement de territoire. Oui. T'es chez moi, faut pas... Et dans les villes, c'est là où on les trouve le plus mal en point. Alors, on vous les filme pas, mais on voit des chiens... Sans poils. Sans poils, qui ont la gale, défigurés. Qui sont du sang, qui sont la peau à vif. L'autre jour, on a vu un chien avec un gros trou dans la tête. Et d'ailleurs, Tamri, c'est la ville où on les a vus le plus malheureux. Plus mal en point, ouais. Sur trois pattes, ou vraiment, vraiment mal. Pas en bonne santé, quoi. J'aime pas dire en bon état, ouais. mais pas en bonne santé. Moi, j'aimerais bien répondre à une question qui nous est arrivée souvent, que les gens se posent souvent. C'est, vous n'avez pas encore craqué pour un chien. On a craqué pour des chiens. Mais les prendre avec nous, est-ce qu'ils seront heureux? Moi, je ne pense pas. Déjà, quand tu voyages, je respecte les gens qui voyagent avec leurs chiens. Mais un chien, quand tu voyages, c'est un chien qui n'a pas de territoire. Et le territoire, c'est très important pour l'animal, quoi que ce soit. Le territoire, c'est la première chose. Tu déranges les autres chiens, c'est un chien dominant, tu l'amènes à un autre territoire. Elle dérange les autres chiens. S'il est dominant, elle va faire virer les autres chiens, elle va les mordre et tout. Mais c'est pas juste parce que c'est le territoire des autres chiens. Quand tu aimes ton chien, tu dois aimer les autres. Il y en a qui sont heureux que leur chien, il chasse tout le monde. Non, c'est un mauvais comportement. Parce que c'est le territoire aux autres. Ton chien, c'est pas son territoire. Et il y en a que leurs chiens se font agresser et que c'est eux qui commencent à caillasser les autres chiens. Mais désolé, c'est ton chien l'intrus. Je critique pas les gens, je respecte qu'ils ont des chiens, je comprends que quand tu voyages, tu peux pas faire autrement. Mais par exemple, hier, comme on a dit, ça nous est arrivé quelque chose, hier ou avant-hier, il y a un monsieur avec deux chiens, un couple avec deux chiens qui sont à côté de nous, et une chienne, je pense qu'elle était en chaleur, elle était en période... C'est chaleur, oui. Et il y avait un chien qui la colle le luc. Alors le monsieur, il vire le chien gentiment au début, mais au bout d'un moment, il a commencé à caillasser les chiens avec des gros cailloux. J'ai sorti, je lui parlais, mais non, ma chienne, tatati. Je lui dis, ta chienne, c'est pas son territoire, c'est le territoire à ses chiens. Tu dois les respecter. Et désolé, si ta chienne est en chaleur, tu l'enfermes. Ou tu encastres ta chienne si tu veux pas de truc. Mais tu viens dans un territoire d'un autre chien et tu commences à le caillasser. Alors, ça, c'est une question qu'on nous a posée aussi. Comment je voyage avec mon chien, comment il va réagir, ouais. comment les chiens d'ici vont réagir avec lui. Ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Parce que, désolé, on a les mouches qui nous... Parce que déjà, ça dépend, comme on a dit, si vous avez un chien dominant ou si vous avez un chien dominé. Ouais. Ça dépend de l'attitude que vous allez avoir vous aussi. Est-ce que vous le surprotégez? Est-ce que vous le laissez se débrouiller? Et nous, c'est une question qu'on se pose aussi. Comment fait un chien qui n'a jamais de territoire fixe, qui se déplace et qui doit s'adapter à chaque fois à des nouveaux... Il est toujours intrus. Des fois, c'est accepté. Ouais. On le voit avec un chien qu'on a vu une adoption qui était réussie. Ah là, oui, qu'on a vu à Dakhla, vraiment, Franklin. C'est un chien marocain, Beldi, un chien errant récupéré. Oui, adopté. Adopté par un jeune couple français. Et c'était réussi, quoi. C'était un joueur, il joue avec tous les chiens, tranquille. Mais quand un chien dominant, c'est grave, quoi. Ouais. Il va mordre tout le monde, il va virer tout le monde. En tant que je ne veux pas dire propriétaire du chien, mais en tant que maître de chien, tu es heureux.
C'est pas mauvais, c'est pas méchant, mais tu es heureux, ton chien, il se débrouille bien. Tu dis, mon chien, il se débrouille bien. Mais il faut penser aux autres chiens aussi. Parce qu'ils ont une vie, ils ont un rythme, mais toi, tu amènes ton chien, paf. C'est ça, c'est un intrus qui arrive. Et je dirais que nous, notre approche, elle est un peu la même. Nous, quand on se pose à un endroit, c'est le chien qui vient à nous. On attend, on ne va pas vers eux. Parce que, par exemple, là, à l'heure actuelle, on en a un qui est très craintif. Ouais, mais on a les trois autour de camion qui viennent. Ils viennent, ils restent, mais on ne cherche pas impérativement à aller l'obliger à le caresser. Ouais. Il boit, il a son bout de pain, on le lui pose un peu plus loin. Mais c'est toujours le chien qui vient à nous. Ouais. C'est pas nous qui allons vers eux. Et en fonction de leur attitude, eh ben, on sait si on peut l'approcher. Et là, on revient à un sujet, c'est de rendre les chiens dépendants. Ah, ça, c'est encore. Ouais, ça, c'est les gens qui aident les chiens. Moi, je te dis, quand tu donnes des croquettes à un chien dans un endroit isolé, où tu le donnes trop à manger, où tu le fais, par exemple, beaucoup, tu le rends dépendant, surtout si c'est sur long terme. Donner c'est un repas ou deux, ça va. Une gamelle ou deux ou trois, ça va. Si c'est un jour, deux jours. Mais si c'est 5-7 jours, toi, dans ta tête, tu fais bien, tu le nourris. Le pauvre, il est affamé, tu le nourris. Mais après, quand tu pars, comment il va faire? Et un chien de rue, un chien errant, surtout au Maroc, moi je connais que les chiens du Maroc, et il faut pas les donner des croquettes, laissez-les faire la poubelle, laissez-les faire leur vie comme ils ont l'habitude, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre, c'est comme ça qu'ils sont forts. Parce que toi tu dis non, s'ils mangent ça, ils tombent malades, un chien errant est plus fort que les chiens de race, que les chiens de maison. Alors il faut les laisser forts comme ça, c'est comme ça qu'ils survivent. Moi je dis pas que je veux qu'il y ait des millions, mais au moins l'être actuel qui est vivant, il ne faut pas le rendre dépendant, il ne faut pas l'affaiblir, parce qu'en donnant les croquettes, en faire les soins. Parce qu'un chien à pattes cassées se soigne tout seul. On ne l'amène pas chez le vétérinaire, un chien errant. Même les gens qui amènent chez le vétérinaire, moi je dis la seule chose, c'est mon avis perso, pour la seule raison que tu dois l'amener au vétérinaire, c'est pour le stériliser. Autre chose, il faut les laisser se débrouiller, parce que des fois on croit bien faire, mais on fait mal. Oui, bah, oui, il ne faut pas les... Ouais. Il ne faut pas les habituer, il ne faut pas les rendre, surtout si vous restez très très longtemps sur un même endroit. Même, je dis une semaine, trois jours, parce qu'il faut comprendre la différence entre un chien et un chat. Un chat, il se débrouille au bout d'un moment. Un chat, vous le voyez chez vous, il vient manger les croquettes, mais là, il se débrouille ailleurs. Aller voler les croquettes dans notre maison, ou aller faire les poubelles, il se débrouille un chat. Mais un chien, il se débrouille aussi. Mais un chien, c'est un animal qui crée des habitudes. Et si tu l'habitues qu'il y a la nourriture, il vient trouver la nourriture là, il va venir. Le jour où tu quittes, il va attendre des jours et des jours là-bas. La nourriture. Un chat, non. Un chat, il n'y a pas à manger, il va aller se débrouiller ailleurs. Alors moi, je voudrais donner un conseil qui me semble, si je peux me permettre, qui me semble logique parce que moi, je l'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais laissé mes animaux manger dans mes plats ou dans mes assiettes. Donc, encore plus de vigilance ici. Si vous voulez donner à manger aux animaux errants que vous croisez, nous, on coupe un bidon de 5 litres, on le donne dedans et après, on le jette. Mais on ne donne pas à manger aux animaux plats. dans nos plats. Parce que la salive aussi peut transporter beaucoup de maladies. C'est ça, c'est ça. Et dites-nous pour les personnes qui ont des enfants. Alors, pour des personnes qui ont des enfants, moi, je vous conseille aussi de leur expliquer que quand on est au Maroc, on ne peut pas aller caresser un chat ou un chien comme on le fait en Europe, même s'il faut toujours apprendre à se méfier d'un chat ou d'un chien, parce qu'ici, eh bien, les animaux ne vont pas au docteur et ne sont pas vaccinés comme en France et qu'il y a beaucoup plus de risques d'attraper, d'attraper des maladies. Et pour les chiots? Alors, à ce sujet, concernant les chiots qu'on peut voir ou comme on vous a fait voir dans les vidéos, oui, c'est vrai, c'est attirant, on aime bien et on a vu beaucoup de personnes aller au trou où on voit les chiots, les prendre, les toucher, les prendre en photo. C'est pas de la mauvaise intention. C'est gentil. Mais il y a des précautions. Et la plus grande précaution, c'est la maman. Et croyez-moi, ce sont d'excellentes mamans qui font bien leur travail. Je veux bien ajouter une chose, même en faisant attention à la maman, que les bébés de n'importe quel animal, il ne faut pas qu'ils se touchent. Qu'on les touche tant qu'ils n'ont pas dépassé la période d'humanisation. C'est ça. Tant qu'ils ne sont pas
qu'ils n'ont pas un système immunitaire qui est fort, ça veut dire les premiers jours, et il ne faut pas les toucher parce qu'on peut les donner des maladies et on peut les rendre malades. Ouais. Une chose. Deuxième chose, même quand ils dépassent ça, d'après notre expérience avec les chiens, il faut adopter la maman et que c'est elle qui te laisse toucher les bébés. Oui. Ne jamais aller au bébé sans permission. C'est comme si c'est un être humain, un bébé. Bah, tu demandes au père, est-ce que je peux le faire un bisou? Est-ce que je peux le prendre dans mes bras? C'est exactement avec l'animal, il faut demander la permission aux parents. Moi, je dirais même qu'il faut les laisser. Regarde, ouais. Nous, les chiots de la petite, on n'a pas été les toucher, on ne les a pas... Ouais. Le chiot qui est venu sous le camion, oui, bien sûr, on l'enlève et on le remet dans son emplacement, mais je n'aurais pas été au trou pour aller le chercher et le toucher. Mais après, bon, ça fait partie de la sociabilisation aussi des animaux. Il y a un comportement qu'on a oublié. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, pour vous protéger, comme tu as dit tout à l'heure, vous on caillasse, vous caillassez. On prend un bâton. Alors ici, le geste de se baisser et de faire, ben, je ne sais pas, peut-être vous allez vous baisser pour vous gratter le pied ou je ne sais pas. Vous pouvez être attaqué. Mais c'est un geste qui fait peur aux chiens ici parce que c'est ça, élever la main. Et les piles le soir, la nuit aussi, sur les yeux, ça, ouais. Les cailloux, avoir un bâton ou une béquille aussi, ça fait peur aux chiens. Ouais. Ouais, t'as raison sur ça. Donc c'est un geste de prudence, c'est peut-être ouais. Un geste... Alors on a évoqué la rage et on a évoqué les comportements. Donc maintenant, qu'est-ce qui est fait au niveau du Maroc pour essayer d'enrayer le problème des chiens errants et le problème de la rage? Mais il faut faire un suivi historique. Qu'est-ce qui était fait? Qu'est-ce qui est interdit de faire maintenant? Qu'est-ce qui est fait maintenant? C'est ça. Alors, avant le Maroc, les solutions qu'ils utilisaient, c'était l'empoisonnement et l'abattage. L'abattage à fusil. Au fusil. Le roi du Maroc a interdit l'abattage. Le gouvernement marocain a annoncé vouloir se donner les moyens pour y faire face. Les campagnes d'abattage sont interdites. Le roi Mohamed VI a ordonné l'instauration d'une loi pour protéger les animaux. D'autres méthodes sont envisagées pour éradiquer le problème. Oui. Parce qu'il trouve que c'est très barbare. Que c'est très violent. C'est très violent. Alors, l'abattage, c'est interdit. Même si je doute qu'il y en a qui le pratiquent encore. Allez, on va dire que c'est interdit. Maintenant, la politique du Maroc, c'est de stériliser les chiens. Oui, par ville. Par ville, et les remettre et les vacciner. Les capturer, les vacciner, les stériliser et les remettre dans leur emplacement, dans leur territoire. Il y a aussi la princesse Lala Salma qui est en train de faire des refuges partout. Il existe en fait, en France, il y a la SPA, et Société Protectrice des Animaux. Et ici, il y a la SPANA, la Société Protectrice des Animaux et de la nature. Voilà. Qui est la princesse qui est un membre d'honneur. Ouais. Voilà. Ils sont en train de faire des refuges partout. Il y a aussi des particuliers qui font des refuges tout seul. Hassan, bénévole actif, fait l'association Le Cœur sur la Patte. Là, on est à la Fourrière. La Fourrière. L'ancienne décharge de la Gadir. On remercie beaucoup la commune qui nous a donné 900 mètres sur le local Hada. Là, on a construit les boxes pour les chiens errants d'Agadir. Le but de l'association, c'est d'avoir ces chiens-là au maximum et de les passer à la castration et la vaccination, bien sûr. Il y a des choses qui sont faites, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup parce de temps. 2 millions, c'est difficile à capturer, c'est difficile à stériliser, c'est un budget, quoi. Si on prend la stérilisation qui coûte par exemple 50 euros, 50 euros fois 2 millions, ça te fait 100 millions d'euros que la stérilisation. Mais déjà, ça c'est bien, c'est une chose qui est bien, mais ça coûte vraiment un énorme budget et c'est dur de le faire. Ouais. C'est dur de capturer tous les chiens, de les stériliser et aussi de les vacciner parce que quand tu le vaccines, le vaccin anti-rabique, c'est au jour le jour quand ça finit, il faut le refaire. Exactement. Si vous faites vacciner votre animal le 25 août, le 25 août 2022,
eh bien, il vous faudra le faire avant ou au jour du 25 août 2023. Si vous passez deux jours, c'est toute la vaccination qui est à refaire. Donc, de ce côté-là, je me dis comment on peut capturer un chien et se dire, tiens, celui-là est bon. Mais déjà, la vaccination générale... Moi, je dis la stérilisation, ça serait déjà bien. Même l'autre vaccination, ça va aider. Ouais. Alors, comment vous allez reconnaître un animal qui a été stérilisé et vacciné ici au Maroc? Ils portent généralement une puce qui leur est agrafée à l'oreille. Comme vous voyez dans la vidéo. Et là, vous savez qu'ils sont vaccinés et stérilisés. Alors, en parlant de vaccination et stérilisation, et on vient de dire que c'est cher. Oui. Je veux dire que c'est un parmi les choses que les Marocains, ils n'apprivoisent pas les chiens. Ils n'ont pas les chiens dans les maisons parce que c'est un budget. C'est vrai. Et c'est un budget qui peut être plus énorme que le budget de la famille. Parce qu'il ne faut pas y croire, pas toutes les choses sont moins chères au Maroc. Il y a des choses qui sont plus chères que chez vous. Oui. Par exemple, la stérilisation, les vaccins, le vétérinaire. Des fois, les vétérinaires, ils demandent des prix, des tarifs équivalents en France, mais même avoir plus cher, le double même des fois. Oui. Alors, il faut savoir, par exemple, parce que... peut-être vous vous dites, pour les personnes qui viennent au Maroc avec leurs animaux de compagnie, il faut déjà savoir donc qu'il faut avoir le carnet de santé, le passeport, toutes les vaccinations à jour, la vaccination antirabique et il faut le titrage sérologique de la rage. C'est un prélèvement sanguin qui est fait à votre animal pour être sûr qu'il a bien réagi et qu'il est bien protégé contre la rage. Ce test, en France, il coûte environ, parce que ça peut varier d'une région, à l'autre, environ dans les 80 euros. Ouais. Il faut savoir qu'il faut 3 mois de validation. Entre le prélèvement et le test. Si je le fais aujourd'hui, je ne peux pas dire je pars dans 15 jours. Ça, je ne peux pas. Les personnes qui se diraient, parce que c'est vrai qu'on va plus vous le demander du Maroc vers l'Europe que de l'Europe vers le Maroc, puisque de toute façon... Mais tu peux tomber sur un douanier qui va les demander. Hein. Alors, pour les gens qui se disent, je vais 3 mois au Maroc, je vais en profiter, ça sera sûrement moins cher là-bas, je vais faire vacciner mes animaux là-bas. Eh bien non, c'est pas du tout comme ça, parce que ce test ici, que l'on fait ici, il est prélevé ici, mais l'analyse est pratiquée en France. Donc, ça prend plus de temps, et ça coûte surtout 2200 dirhams environ par prélèvement. 220 euros. Donc 80 euros en France, 220 euros ici. Fois 3 le prix. Il y a une chose qu'on n'a pas dite et qui est très importante, ce sont des animaux, alors on va parler là pour ceux qui sont sur le bord de la côte, des animaux très propres. Moi, mon réflexe, n'importe quel chien, même en France, quand je le caresse, c'est de faire ça. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, quand on fait ça, ça sent mauvais. Les chiens qu'on croise, que vous avez pu voir dans toutes nos vidéos, il n'y en a pas un seul qui sent mauvais. Et on peut vous dire quelque chose, que les chiens d'ici, de là où on est, chaque soir, ils vont se rouler dans le sable, et ils vont se doucher. C'est bizarre à dire, mais ils vont à la plage se doucher, et ils reviennent se rouler dans le sable. Et aucune odeur. Ils n'ont pas de puce. Oui. Regarde le gros, l'éthique, parce que ça, c'est normal, ça fait pas. Mais on n'a jamais. Mais t'as qu'à voir, on n'a pas vu, on est là depuis un moment, on n'a pas vu un chien qui est en train de faire ses besoins devant nous. Et s'éloignent, et ils font leur trou, et ils mettent leurs besoins. Moi, je dis que ces chiens, ils méritent plus d'amour, désolé, je vais le dire, que les chiens de maison, parce que ton chien à la maison, des fois, il te fait caca sur le tapis ou sur le canapé. Point barre, fin de la discussion. Donnez-leur beaucoup d'amour. Et ils vous donneront plus. Ouais. On vous aime. Et vous nous donnerez plus. On vous kiffe. Et on vous dit de prendre bien soin de vous. Et de vos petits compagnons à quatre pattes si vous avez. Merci pour en tout cas la bienveillance que vous avez à notre égard et de vous être inquiété par rapport à ce sujet d'actualité et de nous voir toujours en compagnie de ces animaux. On vous aime et c'est pas qu'on n'a pas de chien, on a tous les chiens du monde. Ouais. Tous les chiens du monde sont à nous. On vous aime. On vous aime. Bisous, bisous les amis.
زملوني وزملوا طفي بردي يا بحور زملوني وزملوا على صدري حملوا يكفي روحي يكفي روحي